Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo quand même qui sera assez rapide, je tiens quand même à le préciser au niveau de la cartomancie. Donc j'ai fait trois différents tirages avec l'oracle Tattoo Therapy, d'accord, pour ceux qui connaissent. On va regarder un petit peu, le but c'est de voir ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, que ce soit physique ou mental ou simplement de réconfort. Et suite à ça, une fois que vous aurez fait votre choix et que j'aurai pu interpréter toutes les cartes, je vous proposerai tout simplement un petit moment de soins énergétiques pour que vous puissiez tout simplement voir ce que les soins énergétiques peuvent vous apporter. Donc évidemment, les impacts seront différents vu que c'est une diffusion que vous allez réécouter, peut-être certainement pour la plupart d'entre vous, mais qui vous laisseront très certainement pas indifférents sur la façon que ça a d'agir pour certaines personnes. D'accord? Ça agit de toute façon pour tout le monde, mais chacun le reçoit différemment, le soin. Voilà, comme ça, je pense que vous aurez un petit peu un aperçu et peut-être que ça vous donnera l'envie de faire réellement un soin complet dans le futur pour votre propre bien-être. Voilà. Alors, on va commencer par le tirage numéro 1. Alors, on va vous demander ici, c'est d'avoir confiance dans l'avenir. D'accord? On vous demande aussi de vous libérer de certaines choses du passé. De vous épanouir également aussi sur tout ce qui est de l'instant présent. De vivre le moment de l'instant présent ici. On va regarder si on peut avoir une petite carte complémentaire avec le tarot. Donc voilà, j'ai même pas eu besoin de les brasser, elles sont déjà venues. Ici, c'est comme si vous avez tendance un petit peu à regarder en arrière, peut-être sur quelque chose que vous laissez, vous savez pas si vous allez retourner, si vous devez prendre ou pas avec vous. Ici, on vous parle bel et bien de la roue de fortune, qu'il y a des transformations physiques dans la matière ici qui vont se mettre en place pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, regardez pas forcément derrière vous, projetez-vous plutôt en avant. Avec la carte du monde, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. À vous de savoir accumuler les bonnes choses, d'avoir les bonnes paroles pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Et d'assimiler aussi ce qui a besoin d'être assimilé afin de pouvoir progresser vers quelque chose vraiment d'abondant. Ici, c'est ce qu'on nous montre avec le 10 de coupe. Il y a vraiment la notion d'avoir réussi quelque chose. Il y a des festivités aussi en vue. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi ce premier tirage, c'est très, très encourageant. Il y a des réussites. Ça peut être physique, ça peut être dans la matière, ça peut être psychologique. D'accord? C'est vraiment sur tous les aspects comme vous, ça vous parle. Deuxième tirage. Il y en a ici, je ressens qu'ils sont bloqués au niveau du troisième œil. On a peur peut-être des ressentis, peur de voir des choses en lien avec le spirituel. On a peur des messages, donc on n'y prête peut-être pas forcément attention. Il y a des peurs qui sont déclarées chez vous, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Hein. Il y en a, vous allez peut-être me dire en message ici que justement pas, vous ne voyez pas les signes. C'est parce que c'est vous qui bloquez ici, c'est ce qu'on voit. Ouais. Il y a la peur d'aller en avant du fait de blocage que vous avez eu dans le passé, c'est ça en fait qui vous bloque. Il y a une dualité en fait avec vous-même ici. Hein. Il y a une grosse peur, une grosse crainte d'accepter peut-être ces choses, ce don aussi j'ai envie de vous dire, le don que vous avez, il y a une grosse peur par rapport à ça. Les soins énergétiques peuvent également vous aider, d'accord? Alors, on va regarder l'évolution. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de tourner tout simplement le dos à des choses passées, des choses qui vous ont peut-être un petit peu persécuté, j'ai envie de vous dire, qui vous ont atteinte. Voilà, le mot est plus juste, pardon. Des choses qui vous ont atteinte très fortement, c'est que ça vous a laissé un petit peu en froideur. On vous demande de laisser ça derrière vous et de continuer d'explorer ici.
Il y a des choses à démolir, des anciens schémas, des choses peut-être qui sont arrivées par répétition. Je ressens ici quand même quelque chose à tendance négative, quelque chose qui aurait pu vraiment vous freiner et vous faire peur. Et ça va être dans ce sens-là ici. Ce qu'on va vous dire, c'est tout simplement de prendre un moment pour vous, de tout simplement vous reconnecter et de laisser peut-être des choses du passé au passé. Tout simplement. Donc c'est très rapide hein, ce que je vous dis aujourd'hui, mais je pense que vous avez peut-être aussi besoin de l'entendre. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous proposer ce tirage. Pour le troisième tirage, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y en a qui restent encore très fortement ancrés dans le passé ici. On se remémore des choses du passé, des choses qui nous ont procuré du bien-être. On a un petit peu peur de passer à autre chose ici. Hein. On a peur de se lancer dans des nouvelles expériences et de ne pas avoir les acquis espérés. J'ai envie de vous dire, si vous ne vous lancez pas, vous ne le saurez pas. C'est pas parce que dans le passé c'était bien que le futur sera forcément négatif. Hein. Des craintes ici un petit peu à relever aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Ouf, ça fait un petit peu beaucoup, on va pas prendre tout ça. Je vais garder déjà les trois premières ici qui sont arrivées. Ici, on vous dit qu'il n'y a vraiment pas à avoir peur parce que c'est vous. Déjà, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément. Vous donnez énormément autour de vous. Donc, on vous demande aussi tout simplement d'être dans l'acceptation du mot « recevoir ». Quand on vous donne en retour, il vous faut aussi l'accepter. On vous demande également de vous emparer d'une énergie qui va arriver incessamment sous peu. Bien sûr, c'est intemporel, donc ça prendra effet au moment où c'est que vous allez tomber sur cette vidéo. On vous dit de vous emparer des énergies qui arrivent ici. Il y a de multiples choses ici qui sont en train de se mettre en place pour vous. Hein. Donc ça peut être aussi au niveau spirituel, mais pas seulement, des choses aussi concrètes dans la matière. Il y a une transformation, il y a vraiment un vent de changement ici qui vient pour vous, qui laisse place vraiment à des festivités ici. Il y a de la magie qui se manifeste. C'est comme s'il y a quelque chose d'un petit peu de bloqué et comme par magie, il y a autre chose qui vient sur la table qui vous est peut-être aussi proposé. Ça vous est proposé, c'est un juste retour pour vous. Hein. Soyez vraiment dans l'acceptation de se recevoir. Ne vous posez pas mille et une questions. Prenez tout simplement ce que l'on vous donne, ce que l'on peut vous offrir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors maintenant, vous allez tout simplement prendre le temps de faire trois profondes et lentes inspirations. Vous allez respirer par le nez profondément. Je vous accompagne. On inspire. On bloque 2 secondes. Et on expire par la bouche toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire profondément par le nez, je bloque et j'expire toutes les tensions. Visualisez vraiment hein, peut-être comme une sorte de nuage un petit peu sombre qui sort de votre corps. Encore une fois, j'inspire la relaxation et j'expire les tensions. Maintenant, vous allez focaliser votre attention sur vos pieds. Vous allez imaginer des racines qui sortent de vos pieds et qui partent s'ancrer au plus profond dans la terre-mère. Visualisez ces racines rouges qui sortent de vos pieds et qui partent à l'intérieur de la terre. Visualisez également cette énergie qui remonte à l'intérieur de votre corps, qui passe par vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin
Cette énergie irradie dans l'ensemble de votre corps, sur votre ventre, la poitrine, les épaules ainsi que l'intégralité de vos deux bras, sur l'ensemble de votre dos et dans votre tête. Vous êtes pleinement aligné, focalisez maintenant votre attention sur le chakra couronne qui se situe au-dessus de votre tête. Visualisez une lumière de couleur blanche, blanchâtre. Telle que vous l'imaginez, c'est comme ça qu'elle est pour vous. Cette lumière continue sa route, passe à travers le chakra coronal et descend dans l'intégralité de votre corps. Cette lumière a pour but tout simplement de vous remplir d'énergie, de vous rebooster peut-être pour cette nouvelle journée que vous allez bientôt commencer. Laissez-vous aller, prenez ce temps de détente. Ouvrez votre cœur et accueillez tout simplement ces énergies qui sont là tout simplement pour vous apaiser et vous rebooster. Vous vous apprêtez à vivre de grands changements. Laissez-vous aller. Soyez assurés qu'une fois que vous aurez fini d'écouter cette vidéo, vous ressentirez peu de temps après les effets des énergies qui vous ont été procurées et qui vous aideront à passer les épreuves et les aléas du quotidien. J'espère que ce petit soin a pu vous procurer une once de bien-être. Et si vous souhaitez découvrir réellement l'intégralité de ces soins, je vous laisse tout simplement le temps de pouvoir me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.